Salut à tous. Et bien, comme vous avez pu le voir sur ce 39 980 dégâts dans le dos du Liam, et bon, on va attaquer la présentation du build sur dégâts rapides, en tout cas la plus puissante que j'aurais fait jusqu'à maintenant. Alors, ça réclame certaines choses, mais bon, tout ça on va le voir de toute façon. Allez, on quitte la mission et puis on va aller regarder ça en détail. Bon, je suis un peu déçu parce que je pensais dépasser les 40 000. Mais le bonus que je comptais mettre en dernier et que je pensais vraiment qu'il monterait au-dessus des 40 000 n'a pas suffi. Bon, c'est pas grave, on n'est pas trop mal, hein. 39 900, ça reste très correct, quoi. Hop là. Donc là, rien de mieux de toute façon qu'une démonstration, je pense, pour attaquer. Comme ça, au moins, vous avez les dégâts. Et quant à nous, eh ben, on va regarder un peu tout ça. Alors, déjà pour commencer, côté bonus d'ensemble. On tourne toujours sur le Kusari Gamma habituel que j'utilise sur beaucoup de builds parce qu'il a quand même un bonus assez intéressant de pièces, la capacité yokai efficace toute, qui je le rappelle, hop, quand on appuie le bouton option, donc ici on peut le voir, vous permet de restaurer une portion de l'anima dépensée lorsqu'on utilise n'importe quelle capacité yokai pour achever l'ennemi. Bon, évidemment, faut tuer l'ennemi, hein, sans quoi ça remontera pas ta jauge en partie, quoi. Bref. Hop. Ensuite, on va retrouver Vague Agitée. Donc là, on a l'honneur du guerrier de l'Ouest, 4 pièces. C'est quelque chose que je voulais déjà mélanger à un moment donné, il y a au moins 2 semaines passées. Je l'avais mis de côté, j'ai gardé son katana et j'ai bien fait. Puisque finalement, après avoir testé au moins 7-8, ouais, facile, hein, 7-8 bonus ensemble. Donc j'ai essayé de mélanger entre eux à chaque fois. Bon, les meilleurs. Enfin, ceux qui m'apportent le plus de dégâts, c'est ceux que j'ai mélangés là, hein, clairement. Donc là, on a le guerrier de l'Ouest 4 pièces pour ses dégâts de mêlée en 4 pièces, hein, pour le coup, 4%. Donc évidemment, on a ses PV en 2 pièces, dégâts rués du tigre, plus 20% 3 pièces, si vous en servez, pourquoi pas. Ensuite, on va retrouver l'œil exemplaire en matière d'élégance. Bon, là, toujours 2 pièces, ça n'a pas changé, c'est mon fusil de merde, autant le dire. Donc chance critique plus 30, je m'en fous complètement. Ensuite, le casque honneur du guerrier de l'Ouest, donc une pièce avec le katana, 2 pièces avec l'arc, 3 avec le casque. Et on va retrouver donc ici le pêcheur prodigue, 2 pièces sur les jambes et le torse. Donc là qui me permet d'avoir en 3 pièces dégâts de mêlée sur ennemi paralysé 40%. Qui je le rappelle fonctionne aussi sur un build coup de poing, pour ceux que ça intéresse, build main nue, hein, évidemment. En 2 pièces, on retiendra l'accélération de lancer, bombe explosif. Ça peut toujours servir si vous en servez, pourquoi pas. Ensuite, on va retrouver la loi des séries. Donc là, la loi des séries, c'est quelque chose que, au début, j'ai beaucoup hésité à mettre dans le sens où on a des afflictions prolongées en 3 pièces, en plus du dégât de mêlée. Mais bon, je me dis que de toute façon, pour le peu qu'on mange pour l'instant en termes d'affliction, etc., dans les 2 premières difficultés, ce sera pas un problème. Donc j'en ai essayé pas mal. J'avais essayé notamment une autre que j'utilisais en 5 pièces sur un autre build des games que j'avais montré et qui permettait, quand on remplissait notre jauge d'amrita entière, d'avoir un peu plus de dégâts. Mais franchement, non. Parce que finalement, faut bouffer des pierres d'esprit pour la remplir si on tue pas de mob. Et en plus de ça, ça apportait pas suffisamment. Donc là, le fait d'avoir mélangé la loi des séries en 3 pièces avec son dégât de mêlée à 5% plus le guerrier de l'Ouest a apporté déjà quand même un petit boost assez conséquent, quoi. Enfin bref, donc en 2 pièces on retrouve les 164 PV, en 3 pièces le dégât de mêlée à 5% plus affection prolongée. Donc ça c'est pour ce qui est des bonus ensemble. Donc là on en a quand même plusieurs, hein. On en retiendra pour le coup 3 importants. Donc on a la loi des séries, le pêcheur prodigue et le guerrier de l'Ouest. Ensuite, hein, évidemment, le Kusa c'est secondaire, le fusil pareil. Bon. Ça vous mettez au choix sinon ce que vous avez envie de mettre dessus. Donc moi j'ai gardé le Kusa, ça tombe bien parce qu'il est 170 plus 10 en plus, hein, donc autant profiter, hein, il fait beaucoup de dégâts comparé au katana. C'est bien, ça complète. Alors ensuite, on va attaquer peut-être les effets de statut, hein, de toute façon. Il n'y a pas d'autres bugs ensemble dans le coin. Donc là, côté effet. Sur le cuisin, j'ai toujours les mêmes, ils n'ont pas bougé, toujours axé sur le poison, puisque vous avez pu le voir, j'ai empoisonné l'Uliam pour en tirer beaucoup plus de dégâts. Donc ça, c'est pas mal.
Désolé, je regarde les messages vite fait. Il va être déçu, le pauvre. Il est en train de marquer GG pour les 41 000. Oui, parce qu'en fait, alors on parlait des 2-3 bonus que je pouvais mettre qui m'apporteraient pas mal. Et puis en fait, non. J'ai pas dépassé les 40 000, c'est dommage. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même. 39 900 quand on pense qu'on est quand même, je le rappelle au niveau du poids, sur du moyen et du lourd quand même. Ce qui est pas rien. On est à 70%. Et on fait tout aussi bien qu'un léger sur des gains rapides, voire même plus à l'heure actuelle. Donc, ouais, c'est pas mal. Alors, rappelons au passage qu'il n'y a pas trop de différence, en tout cas pas autant dans le premier niveau, quand on joue entre du léger et du lourd. Il n'y a plus une aussi grande différence en termes de dégâts. Donc, d'où le fait que moi ça m'apporte quand même plutôt beaucoup, malgré le poids qu'on voit du personnage, hein, à 69,8%. Bon, pour revenir en tout cas aux effets de statut. Enfin, effets spéciaux maintenant, autant pour moi. On va retrouver donc ce que je disais, l'accumulation de poison, plus le poison, ce Cusa. Bonus d'attaque, compétence aura plus, étant donné que j'ai mis 99 sur la compétence. On verra les stats après. On a l'effet de compétence prolongée crépuscule d'été. Donc ça c'est pour mon bonus d'attaque qui me rajoute 10% de durée. Donc c'est cool. On a le drain de vie sur attaque de mêlée. Donc ça, dès qu'un ennemi va me taper, ça me régénère des PV. Ce qui est plutôt cool. Tu rajoutes à ça dégâts de coup de grâce à 10% qui peut toujours servir quand tu achèves un ennemi au sol. Le katana. Alors là, ça va être assez particulier. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a paralysie et pourquoi il y a l'accumulation de poison? Vous avez pu voir que je joue paralysie pour stopper l'ennemi sur ce build à la dégaine. Par contre, je me sers des gros dégâts que j'ai avec le poison pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et ça fera bien plus de dégâts en mettant du poison sur vos accessoires qu'en mettant de la paralysie. Eh oui, le poison est plus fort. Donc autant en profiter. Donc là, je vous invite à laisser la paralysie si jamais vous voulez genre taper l'ennemi, le paralyser et mettre l'accumulation pour le coup de poison. Mais après, c'est vrai qu'évidemment, si vous mettez la paralysie sur votre arme, comme ici en plus 10, alors vous n'avez pas d'accumulation sur paralysie, ça va être compliqué quand même. Je précise au cas où, sauf les ennemis qui sont sensibles. Mais d'autres qui sont un peu moins sensibles, ça va être plus compliqué que d'habitude. Donc après, c'est un choix à faire. Vous pouvez toujours y mettre. Si vous estimez qu'avec le Shuriken, que vous empoisonnez suffisamment vite les mobs ou les boss, vous pouvez toujours mettre de l'accumulation sur paralysie sur le katana par exemple. On va essayer de varier un petit peu. Vous ajuster par rapport à vos préférences, tout simplement. C'est un choix à faire. Donc paralysie, compétence, donc bonus d'attaque compétence à plus. Pareil, hein, j'ai monté 99 au niveau de la compétence, je suis à plus de 80 au niveau du cœur, sachant que j'ai remodelé évidemment mes armes, et qu'ici le katana, je l'ai focalisé sur la compétence et sur le cœur au niveau des notes, on voit un petit A au niveau du cœur, et au niveau de la compétence, on voit un B+, ce qui me permet d'en tirer le maximum. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal, quoi. Alors, je regarde juste un truc. Ouais, si c'est bon, j'avais un doute. Mais bref, donc ça c'est pas mal, ça m'a permis d'en tirer vraiment le maxi. Pareil le Cusa, hein, je l'ai remodelé pour le coup. Donc on le voit tout en bas au passage, vous regardez bien l'écran, tout en bas. Ici, comme j'ai monté que la compétence pour le Cusa, je l'ai spécialisé que sur une seule. C'est là où j'obtiens le maximum de dégâts. Et le katana, je l'ai spécialisé sur deux. Bref. Ensuite, dégâts de coup de grâce 10%, donc là comme d'hab, hein, si l'ennemi tombe au sol, vous le plantez, vous le ferez plus de dégâts, ce qui peut vous permettre de lâcher. Dégâts de kin mêlée, ça peut toujours servir, plus 9%, pourquoi pas. Vous avez déjà vu qu'avec le katana, j'aime beaucoup briser la barre d'endurance d'un ennemi et lui faire des attaques vraiment spécifiques, particulières, surtout une qui est classe, que j'avais droppé il y a maintenant déjà pas mal de temps, un arc caché du katana. Ensuite, réduction de ki attaque de mêlée, moins 5,3%. Ça peut toujours servir en attaque de mêlée. Pourquoi pas? Après, évidemment, si vous avez mieux de votre côté, mettez autre chose. Alors, rappelons au passage que si vous avez déjà un élément sur votre arme, comme la paralysie, ou le poison, ou la corruption, ou la pureté, vous ne pourrez pas mettre autre chose, genre type foudre, type feu, ou type eau. Vous pouvez pas mettre deux éléments en même temps, hein, je précise au cas où. Et pour ce qui est des armes corrompues, tu ne peux pas mettre un élément dessus. Feu, foudre, etc. C'est mort. Ça, je préfère préciser parce qu'il y en a beaucoup qui me posent souvent la question. Bon, bah, quant aux armes, vous les avez vues, niveau 170, plus 10, elles sont au taquet, hein. Donc là, on est bien.
Familia, t'es monté. Arme à distance, donc leur tiendra le bonus de dégâts d'agilité pour apporter un petit peu de dégâts sur le build. Sinon après, bah, pour les armes en elles-mêmes, rajoutez-y l'accélération de l'arc et du fusil. Ça vous permettra de tirer beaucoup plus vite vos flèches et balles. Et rajoutez rapidité de mouvement, arme à distance 100%. Ça vous permettra de vous déplacer beaucoup plus vite. Comme vous êtes en train de viser un ennemi qui s'apprête à vous shooter avec une flèche ou une balle, vous pourrez vous déplacer latéralement beaucoup plus vite. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, côté armure. Donc là, on est sur du ki à hauteur de 49 en plus. On a une... j'ai dit une réduction de dégâts. Bon, en fait, c'est ça. Une réduction de dégâts élémentaires en garde de 35%. Désolé, c'est les habitudes hein, du premier niveau pour le coup qui reviennent. Mais bref. Donc toujours à mettre 3 fois sur l'armure, je le rappelle, peu importe le build. Ça vous sauvera la mise quand vous allez vous bouffer pas mal de dégâts élémentaires. Et ça, dans les difficultés plus hautes, ça risque d'être vraiment très intéressant quand même. Là, bon, ça n'a pas encore trop son importance, mais je pense que ça servira pas mal dans les difficultés supérieures. Donc à mettre 3 fois, hein, moi je l'ai mis par exemple sur les jambes, ici en version récupérable. Donc je le rappelle, hein, on a deux types d'éléments, transférables, ici en blanc, et récupérables. C'est le même logo, à peu de choses près, mais en orange. Et ça fait pas la même chose. Hein, tu récupères, tu combles des lignes vides. Transférables, tu remplaces un autre effet transféré. Hein. Et bref, j'ai déjà expliqué ça sur la chaîne. Donc là, pour le coup, dégaine rapide transféré sur chacune des pièces d'armure. Donc là, ce qui permet de compléter les dégâts, évidemment, sur la dégaine rapide. On est presque à 50%, donc c'est pas mal. Ensuite, dégâts par derrière subis, moins 15%. Chose qu'on va retrouver sur le torse, moins 15%. Rappelons qu'on peut aussi l'avoir, par exemple, sur les deux accessoires. Et rappelons qu'on peut aussi le récupérer. Et le mettre sur les trois autres pièces. Ce qui pourrait nous faire pas loin des 60... maintenant j'allais dire 70%, mais même plus, puisqu'on a 15%. Donc là on a quoi, 6, 12... Enfin, en fait, on dépasserait largement les 120%, quoi. Ça serait du viol, quoi. En comptant tout, hein, je précise. Donc là on est quoi, sur 30, 6, 90... Ouais, on serait dans les 110, un truc comme ça. Bon, de tête, hein, vite fait comme ça, quoi. Ça pourrait être pas mal, je pense qu'à l'occasion j'essaierai quand même de faire un truc sur les dégâts par derrière complètement annulés, parce que ça veut dire que si tu délooks l'ennemi, logiquement, tu te retournes, il tape dans le dos, tu prends pas de dégâts, normalement. Donc ça c'est un truc à essayer, ça peut être sympa aussi à essayer. Mais bon, pareil, il faut choper des pièces avec l'effet récupérable pour le mettre partout. Enfin bref, ensuite, on a donc vitesse course, plus 2,1%. Donc ça, j'en ai profité, j'ai chopé pas mal de pièces avec les fers récupérables, donc notamment des jambes et des pieds, et pour le coup je l'ai récupéré en fait sur le casque, je l'ai récupéré sur les bras, je l'ai ici sur les jambes et sur les pieds. Donc c'est pas trop mal, ça peut toujours servir, rappelant que la vitesse course vous permet pas de courir plus vite, mais d'aller à votre vitesse maximum plus rapidement. Donc dès que tu pousses le stick, ton perso sera presque déjà à fond. Bon, ici tu le ressens beaucoup moins que dans le premier niveau, parce que dans le premier niveau ça c'était je crois à hauteur de 15% il me semble, ou en tout cas pas loin. Donc là forcément 2%, bah, tu le ressens un peu moins, mais c'est toujours utile quoi. Et ensuite on va retrouver l'attaque, pareil en version récupérable via des bras hein, que j'ai droppé comme ça, qui m'a permis de le faire, enfin de le mettre plutôt sur le casque, le torse, sur les jambes et les pieds. Sur les mains, évidemment, je l'ai mis à la reforge, hein, puisqu'on peut le mettre d'office à la reforge dessus. Donc là, ce qui m'apporte pas mal de dégâts aussi. 35, 35, 34, 36, non 35 autant pour moi, et 35. Donc là, on est pas mal du tout. Ensuite, sur le torse, donc là, on a dégâts élémentaires subis, moins 13%. Donc là, il n'y a pas besoin d'être en garde. Hein. Voilà, c'est 13%, sachant qu'on peut l'avoir sur les deux accessoires si on veut. Mais bon, après, c'est des choix à faire, comme d'habitude, on peut pas tout mettre. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on va retrouver la restauration de PV par absorption d'Amrita. Donc là, 36 PV, dès qu'on absorbe de l'Amrita, c'est plutôt pas trop mal. Tu couples ça, par exemple, à des accessoires qui l'ont aussi, et tu régénères pas mal de PV dès que tu déboîtes l'ennemi avec le Kusarigama, par exemple. Alors, ici, c'est pas parce qu'on joue la dégaine qu'on est obligé de jouer que la dégaine rapide. On peut très bien s'amuser avec le Kusarigama derrière. On pourrait même imaginer 3 dégâts rapides sur l'armure et 2 faucheurs
sur les deux autres pièces, par exemple, ce qui permettrait d'avoir du dégât avec le faucheur du Cusa et de faire encore bien plus mal, sachant que de base le faucheur est déjà pas mal quand même. T'actives les deux bonus d'attaque, il détruit déjà, donc imaginez après. C'est des choix à faire hein, quand on veut varier, hein. Faites-le à votre façon. Hein. Ensuite, dégâts par derrière, donc ça on l'a vu. Dégâts élémentaires subis en garde, on l'a vu, l'attaque on l'a vu, donc il n'y a plus grand chose. Ensuite les bras, donc on va retrouver ici le ninjutsu limité à hauteur de 5,4%, ce qui peut être pas mal hein, pour économiser quelques lancers de parchemin, ce genre de choses qui parfois seront pas bouffées. Voilà, c'est plutôt pas mal. Munitions limitées, ça peut toujours servir pour éviter d'être en manque de balles, de flèches, ce genre de choses. Bon, ça reste que des petits pourcentages, hein, mais bon, on fait comme on peut. Ensuite, les jambes. Donc là, on va retenir le bonus récup de ki. Tiens, je l'ai pas mis là. Ah, j'avais pas vu, je l'ai pas mis sur la. Ok. Il y a un bonus de. Comment dirais-je? Un bonus dans le même genre sur récup. Par contre, c'est pas du ki et on peut l'avoir ici, mais je sais plus ce que c'était. Enfin, je regarde. Je crois que je l'ai. Bah oui, mais j'ai pas la pièce sur moi. Tant pis. Mais bref, donc là pour le coup, sur les jambes, on a un bonus de récupération de ki quand la jauge d'Amrita est pleine. Alors, pas forcément pleine, hein, mais au fur et à mesure que tu remplis ta jauge de mutation de Kai, pour être plus clair, tu vas pouvoir régénérer plus rapidement ton ki. Donc ça, c'est pas mal. On a la même chose qu'on peut avoir, par exemple, sur les pieds, qui pourrait te permettre, pour le coup, d'avoir là un agrandissement de ta jauge d'endurance. Donc c'est l'inverse, hein, au lieu d'être remontée plus vite, elle est agrandie. Donc proportionnellement à ta jauge de mutation Yokai. Si ta jauge est bien remplie, tu passes genre de 1300 et quelques sur la taille de la barre d'endurance à 1400 et quelques. Donc c'est pas trop mal. C'est un petit apport, même si ça reste assez dérisoire, quoi. Ça peut servir. Bref, ensuite on va retrouver la restauration rapide à court de ki. Alors ça, je le rappelle, c'est important à avoir une fois sur l'armure, tout comme la ténacité d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de les mettre 50 fois. Il n'y a pas de pourcentage. Je le rappelle encore une fois de plus, c'est qu'une fois. Bref. Donc ça vous permet quand vous êtes bloqué sur place, que vous n'avez plus d'endurance, et ben de ne pas rester bloqué trop longtemps, de pouvoir faire une esquive d'urgence, même si je trouve qu'il est un petit peu moins efficace que dans le premier niveau quand même. Hein. Donc méfiez-vous. Bon. Ensuite, sur les pieds, on va retrouver pour le coup réduction des dégâts continus avec le feu, moins 16%, j'avais pas autre chose à mettre. Je pense que j'en profiterai peut-être pour mettre mon histoire de bonus de ki, ou on verra, mais bref. Ténacité, dégâts continus, donc ça je le rappelle que la ténacité c'est important à avoir une fois dans le sens où ça te permet quand tu es en train de brûler ou que tu es empoisonné de ne pas mourir, tu gardes un PV. Si par exemple tu veux jouer un build critique, tu vas utiliser un pot de. Comment ça s'appelle? Un pot d'huile pour brûler, admettons. Tu perds tes PV, tout ça, tu es en train de brûler, bah tu resteras à un PV, tu mourras pas. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a une réduction de ki sur esquive à moins 2,7%, ça peut toujours être utile. Et puis pour le reste, eh ben, on l'a vu avant. Donc attaque, vitesse course, enfin, etc. Côté accessoire, donc on est déjà sur deux choses principales. Le dégât de mêlée sur ennemi empoisonné 25%, plus l'accumulation sur ennemi empoisonné à 13%. La même chose. Alors, je dis sur ennemi empoisonné, mais. C'est une accumulation à 13% pour empoisonner l'ennemi plus vite, pour être plus clair. L'idéal étant d'avoir la recharge d'anima, pourquoi pas sur les deux, ça peut être utile, ça si on compte jouer les capacités de Kai avec, pourquoi pas. Enfin après, le reste, c'est à vous de voir. Alors juste vite fait, moi je vais aller voir un petit truc. Des fois que. Hop. Je vais voir si je peux le modifier. Non, c'est pas ça que je suis dedans. Oups. Ah, il n'est pas proposé, j'irai plus tard. Hop, on va pas prendre de risque. Bah tiens, tant qu'on est à la forge, je vais peut-être quand même remontrer l'histoire du remodelage. Donc remodelage, hein, je le rappelle, pour le débloquer, dans votre première difficulté, c'est quand vous allez faire la mission l'artisan itinérant, que vous allez récupérer son grand-père, pour le coup, dans la mission. Bref, vous finissez la mission, vous le débloquez, lui vous débloque le mode remodelé dans la forge, ainsi que la valeur plus et 2-3 bricoles. Bref.
Donc évidemment, je le rappelle que pour remodeler une arme, il faut qu'il y ait au moins une valeur plus dessus, qu'elle soit en plus un minimum. Sans quoi, s'il n'y a pas de valeur plus, vous ne verrez pas l'arme en question. Donc ici, je rappelle l'histoire des spécialisations. Donc pareil, la première fois que tu débloques ce deuxième forgeron, tu n'as droit qu'à une spécialisation. Et quand tu vas finir ta difficulté pour la première fois, donc toute la difficulté, tu vas débloquer par la suite deux spécialisations. Donc tu peux par exemple appuyer triangle sur une et valider sur l'autre, comme ceci. Bref, donc là vous cherchez vraiment le plus avantageux côté dégâts, évidemment. Donc en l'occurrence, j'ai pris la 3 et la 1, ce qui permet d'être à 2088, quoi. Ce qui est pas trop mal. Là, franchement, on est bien, quoi. Je suis peut-être à rebloquer. Hop. Alors ensuite, on va retourner là. Alors côté parchemin et talisman. Donc shuriken déjà empoisonné pour commencer, c'est important. Ça vous permettra d'infliger plutôt rapidement l'empoisonnement sur l'ennemi. Donc ça c'est pas mal. Évidemment, certains y sont insensibles. Hein, c'est le cas du serpent dont j'ai plus de nom en tête. Yatsu, je crois. Bah tu le vois en bas sur mes noyaux. Donc Yatsu, un Nokami, qui forcément utilise du poison, donc qui sera insensible. Hein, normal. Ensuite, talisman de faiblesse. Donc ça, je le rappelle, vous permettra d'affaiblir la défense de l'ennemi. Feu de surface paralysant, ce qui vous permettra de les bloquer plutôt rapidement comparé à la poudre de méduse. Bien que je ne l'ai pas encore essayé, elle est peut-être plus efficace que dans le premier. Mais en tout cas, dans le premier niveau, c'était loin d'être le cas. Hein. Franchement, perk. Ensuite, talisman de protection. Donc je rappelle une fois de plus l'importance de ce talisman qui vous permet d'encaisser une bonne partie des dégâts pendant, on va dire, un certain nombre défini de dégâts, quoi. En tout cas, il encaisse bien, quoi. Talisman de barrière. Donc ça, c'est pas mal conseillé, hein, quand même. Pour le coup, il vous permettra de faire des purifications automatiques pour enlever des zones de royaume yokai au sol et de remonter votre jauge d'endurance beaucoup plus vite tout le temps que durera ce talisman, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est important. Talisman de rajeunissement. Donc celui-là est pas mal. Permet de récupérer des PV pendant un bon petit laps de temps. Par contre, je le rappelle, il n'est malheureusement plus compatible avec tout ce qui est genre auto-restauration qu'on peut avoir sur une armure, ce genre de choses. Alors, j'ai pas essayé avec les derniers patchs, à voir. Ensuite, talisman de vol de vie. Donc, celui-là, il est pas mal du tout. Le talisman de vol de vie, quand vous allez le mettre sur l'ennemi, si vous tapez un coup par exemple à 5005, vous allez récupérer un tiers des dégâts transformés en PV. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, c'est énorme. Un tiers des dégâts que vous faites, vous les récupérez en PV, quoi. Voire un quart. Enfin bref, ça joue entre les deux, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, parchemin de changement rapide. Donc vous permettra de revenir à la vie. C'est plutôt pas trop mal pour ceux qui ont du mal. Il en sort le jeu qui meurt trop souvent. Pourquoi pas. Parchemin de foulée de félin. Donc qui vous permettra de ne pas faire de bruit. Qu'on va coupler normalement au parchemin de voleur furtif. Qui lui vous rendra invisible. Donc les deux généralement vont par paire. Et ensuite on peut utiliser la course du tigre qui vous permettra de courir plus vite. Quatrième onglet, on va retrouver le talisman d'archi-yokai, donc qui permet de remplir votre jauge d'anima un peu plus vite. Nos pierres d'esprit évidemment pour remplir notre jauge. Le talisman des pléiades et d'extraction qui vont généralement par paire. Donc le premier multiplie la morita que vous allez gagner, pendant que le deuxième extrait de la morita dès que vous touchez l'ennemi. Sachant que maintenant dans le niveau 2, on extrait même sans ça facilement de la morita sur les mobs. Chose qui n'était pas faisable dans le premier. Il fallait obligatoirement l'extraction, le talisman d'extraction, quoi. Bref, là on a fait le tour de ça. Ensuite, on va aller voir un truc quand même qui est assez important. Si vous voulez faire encore plus de dégâts évidemment sur votre dégaine, c'est à vous de voir évidemment, c'est dangereux. On va aller ici en appuyant carré. La frappe furieuse augmente les dégâts infligés par certaines compétences actives de 20%, mais vous subirez des dégâts en les utilisant. Vous avez sans doute regardé tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, dans ma session de farm, pour filer du matos, tout ça, vous avez sans doute remarqué pour pas mal d'entre vous que à chaque fois que je tapais une dégâts rapide en posture basse, je perdais des PV, alors que je ne me faisais pas toucher. C'est les inconvénients de cette technique. Tu gagnes 20% d'attaque. Mais suivant la quantité de dégâts que tu vas faire, tu vas perdre plus ou moins de PV. Donc autant dire, quand tu frappes une dégaine à 40 000, les PV tombent à 1. Alors tu peux pas mourir,
il tracera un PV. Mais dans ce cas de figure, jouez le parchemin de changement rapide et le talisman de protection. Au moins, vous êtes sûr. Après, si jamais vous n'avez pas envie, évidemment, de prendre de tels risques, basez-vous sur la compétence, par exemple, où vous avez mis 99. C'est à faire, mais vous allez perdre forcément des gains. Donc ça, c'est à vous de voir, hein. Évidemment. Ça... Bref, côté stats, on va peut-être y faire un tour. Donc là, on est sur la constitution à 7. J'avais besoin d'être à 7 pour porter certaines pièces, etc. Maxi que j'ai mis. Ce qui me laisse quand même 3400 PV, donc on n'est pas trop mal. Hein, la constitution, il n'y a pas tellement besoin à ce stade-là. Hein. On est quand même niveau presque 300 que dans la deuxième difficulté, donc on est bien. 88 au niveau du cœur, donc ça pour compléter mon katana, évidemment en termes de puissance. Donc vous l'aurez compris, ça peut taper encore un poil plus fort. Les 40 000, je peux les atteindre, seulement bah, je n'ai pas encore le niveau. Donc c'est faisable. Hein. Les 40 000, vous pouvez les avoir. Mais bref, donc là on est plutôt pas trop mal, pratiquement 90. Ensuite, stat courage, on est à 15. Donc ça, vous le savez tous, pour ceux qui suivent les builds que je fais, je laisse toujours à 15, histoire d'être au moins à une vitesse de 400 au niveau de la restauration du ki. C'est important. En dessous, je trouve que c'est trop lent. Déjà là, c'est un peu trop lent à mon goût, donc imaginez. Ensuite, endurance, on est à 47. Donc là, ça me permettra, moi, d'utiliser ce build-là, d'utiliser Tatanashi, Genryu, etc. et d'autres builds. En gros, tout ce qui concerne le lourd, grosso modo, quoi. Ça me permet de pouvoir vraiment m'amuser comme je veux. Alors, lourd, en ayant une pièce généralement moyenne dedans, minimum. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ensuite, la force à 7. Alors, il n'y a pas besoin. Enfin, il y avait obligation, hein, puisque j'ai une pièce qui me demandait d'avoir 7 au niveau de la force. Bon. Ah, désolé, je regarde les messages parce que j'arrête pas d'en recevoir depuis tout à l'heure. Je suis distrait, c'est un truc de fou. C'est enfin les joueurs qui demandent un coup de main pour le coup. Donc, force à 7, compétence 99. Donc là, bon, bah, obligatoire. Hein, j'ai focalisé mes stats là-dessus. J'ai mis un dégât de compétence, enfin une modification de compétence sur mes armes. Donc, 99 au niveau de la compétence. Ce qui me permet d'en tirer pas trop mal. Ensuite, on va retrouver la dex à 30, la magie à 30. Donc là, c'est important puisque je rappelle que ça vous permettra d'utiliser tous les parchemins que vous avez envie, talisman pareil. Et en plus de ça vous débloque les emplacements à 35, étant le maximum qu'on a jusqu'à 30 en dex et en magie. Mettre au-dessus ne débloquera pas plus d'emplacements. Mais bref, donc ça, c'est pas trop mal. Maintenant, si vous n'utilisez pas autant de talismans et parchemins que moi, vous n'êtes pas obligé de foutre 30 là-dedans. Par contre, la magie, je conseille quand même parce que ça permettra de faire durer vos parchemins, enfin vos talismans. Vous remarquez que la dextérité, pareil, hein, vos parchemins dureront un petit peu plus longtemps. Par exemple, la course du tigre, si je suis à 10 au niveau de la dex, je dure quand même assez. Enfin, je dure quand même nettement moins longtemps, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal, mais je crois que c'est l'heure. Il est quand même minuit passé, hein, je précise. J'avais pas pris d'affaire ce soir, et puis je me suis dit, bon, allez, tant pis, je la fais. Alors, côté résistance au brise-garde, on est quand même à 292, donc ça c'est dû à mes pièces lourdes et moyennes, donc ça m'apporte pas trop mal à ce niveau-là, on est plutôt bien. Côté attaque, bon, bah, vous l'avez vu, hein, le Kusa il est à 2154, le Katana il est à 2270, sachant qu'on peut encore monter puisque le cœur est à 88, il y a, je dirais, allez, 2300 possible, je pense. Il y a peut-être moyen d'atteindre les 4000, quoi. Il manque pas grand-chose, hein, pour les atteindre, mais là ça suffirait. Les 4000, les 40 000 de dégâts. Autant pour moi. Enfin bref, côté poids, bah, 69,8. Hein. Voilà, on est dans le vert. C'est le principal. À pas dépasser les 70,0%. Sinon, on est au-dessus dans le jaune et là, ça craint. Ensuite, remarque, on peut aller faire un petit tour ici. Tant qu'à faire. Donc, l'attaque plus 174 avec les bras, tout ça, tout ça. Dégâts de compétence 28%. Ça, c'est mon clan. Honda, hein, entre parenthèses. Poison, donc ça c'est sur mon arme. Drain de vie, dégâts de mêlée, on a 9%. Attaque de mêlée, critique 15%. Je me fais distraire par les messages, c'est un truc fou. Enfin, bref, nous retiendra surtout plus bas les choses plus ou moins intéressantes. Dégâts de mêlée sur ennemi empoisonné 66%. Dégâts de mêlée sur ennemi paralysé 40%. Donc on est pas trop mal. Bon, il y a dégâts d'attaque à main nue 60%. Ça peut être marrant de s'amuser quand même, entre parenthèses, avec. Des gains rapides 50%, enfin 49 pour être précis. On est vraiment pas trop mal à ce niveau-là.
accumulation empoisonnement 41%, dégâts alimentaires subis en garde moins 102%, donc là on encaisse tout. Restauration de PV par noyau d'âme obtenu 64%, ça c'est pas mal aussi. Hop là, alors ensuite on a quoi d'autre pour aller voir les points de prestige, j'imagine. Donc là ça n'a pas bougé, on est toujours à 7,5 au niveau de la recharge d'anima, moins 8% sur les dégâts alimentaires subis, plus 8% de dégâts de capacité Yokai sur tous, 15% de prolongation sur la mutation Yokai, résistance aux autres royaumes, donc royaume obscur et Yokai plus 7. Sur le deuxième, donc on va voir qu'on a 110 PV de plus, 55 niveau de la barre de ki en plus, vitesse de restauration du ki à 5,5%, ce qui est toujours ça de prix, l'efficacité sur l'élixir 5,5%. Le reste, je m'en fous un peu personnellement. Alors, côté clan, on est sur le clan Honda, on va aller faire un petit tour. Donc là, 50% des dégâts subis indemnes. Donc là, ça veut dire que si j'ai ma pleine santé, j'encaisse 50% du premier coup reçu. Ça, c'est pas trop mal, c'est vachement pratique quand même. Bien que je trouve plus efficace dans le premier niveau quand même. Bon, ça, il n'y a pas photo. Dégâts de compétence plus 4%. C'est pas trop, mais rappelons que j'ai monté un peu les bonus du clan. Et les bonus sont vachement montés. Donc je suis passé à 28% de dégâts de compétence, 80% en réduction de dégâts subis quand j'ai ma pleine santé. Donc là on n'est pas trop mal quand même. Donc après s'il y a un autre clan qui vous intéresse, rien n'empêche de le prendre. C'est à vous de voir. Alors ensuite, côté noyau. Alors peut-être esprit gardien, on va aller faire un petit tour directement dans le sanctuaire. Alors côté esprit gardien, on est sur Tengen Kujaku. Hop. Pour son bonus d'absorption d'Amrita basé sur la posture, qui me permet en posture haute quand j'absorbe de l'Amrita d'avoir un gros bonus d'attaque de 20%. On a en posture moyenne une augmentation de défense et en posture basse une vitesse de restauration du ki augmentée. Donc ça peut être pas mal de faire tourner les trois postures en plein combat. Ça peut être plutôt cool. Ensuite, côté noyau. Donc là, en ce qui me concerne, hop, je suis sur Gozuki parce que je le trouve vachement efficace. Disons que si tu commences à taper l'ennemi avec ton faucheur, que tu le détruis une bonne partie de l'enduit, si t'enchaînes, on va dire, sur le bon timing avec Gozuki, autant pour moi, si tu te démerdes bien, tu lui brises sa barre de ki et le petit curseur qu'il y a dans la barre de ki en rouge descend complètement à gauche. Donc tu le fous à terre. Ça, c'est pas mal. Si tu te démerdes bien, que tu le places quand il faut ce noyau, il est vraiment excellent pour défoncer. Ensuite, on va retrouver Yatsu pour ses 17% de dégâts de mêlée sur ennemi empoisonné, donc ça c'est pas mal. On a une recharge d'anima à hauteur de plus 4%, ça peut toujours servir, ainsi qu'un drain de vie sur coup capacité de caille. Bon, c'est toujours utile. Sur le troisième, on va retrouver donc le noyau d'âme du soldat aberrant. Donc là, effet spécial, on va retrouver une capacité de caille efficace toute à hauteur de 10%. Donc la même chose, faut hop, que l'ennemi soit vaincu, hein, évidemment. Ensuite, on retrouve un dégât de capacité de caille tous plus 10%, bonus de. D'anima en contre, plus 1,5%. Bon, je dis n'importe quoi, c'est pas plus, il n'y a pas de pourcent. C'est plus 1,5. Bon, voilà. C'est pas grave, ça pourrait être pire. Désolé, c'est l'heure. Là, je commence à claquer. Mortel, il va être temps d'y aller. Alors, ensuite, ça, on a fait. Ah non, j'allais oublier le deuxième esprit gardien quand même, minimum syndical. Alors, le deuxième, pourquoi le deuxième? Ours Atlas. Alors ici on a un dégât de mêlée qu'on peut voir là de 5%. Alors vous avez peut-être pas remarqué, mais en début de vidéo, quand j'ai fait mon combat, j'ai changé d'esprit gardien avant d'aller faire ma dégâts rapide sur l'Ulium pour pouvoir obtenir ces 5% de dégâts de mêlée dans la foulée. Donc ça, si vous voulez compléter un peu vos dégâts, c'est la bonne chose à faire. Alors j'ai un ami avec qui je discutais, parce que pour le coup on se file 2-3 tuyaux comme ça. Enfin 2-3 tuyaux, on compare un peu nos dégâts plutôt. Et pour le coup, ça me permet de lui filer 2-3 tuyaux, lui en retour pareil si jamais besoin. Et il me demandait pourquoi est-ce que j'avais pas pris
Alors, il faut juste retrouver l'esprit gardien. Voilà, celui-ci. Donc, Okori, qui permet d'avoir un dégât de mêlée sur l'ennemi indemne de 10%. Alors, c'est vrai que le bonus est plus haut. Par contre, il réclame que l'ennemi soit indemne. Donc, moi, en l'occurrence, vu que j'utilise le shuriken empoisonné, donc je le touche, et bah ça annule les 10% qu'il y a ici. D'où le fait donc que finalement bah, je suis passé sur Atlas. Voilà, donc ça peut être pas mal. Pour compléter en tout cas. Et bah je crois que pour le coup, si je dis pas de bêtises, j'ai fait le tour. Je vais regarder tout ça en détail, on sait jamais. Donc les bonus ensemble, on a vu. Les effets de statue, on a vu. Parchemin, talisman, on a vu. Noyau, c'est bon. Esprit gardien, c'est bon. Le clan, c'est bon. Point de prestige, c'est bon. Les armes aussi. Bah, je crois qu'en fait, c'est tout bon. Hein. Alors, on va peut-être aller voir là-dedans le katana. Je vais regarder un truc. Je crois pas que ce soit là. Là, c'était quoi ça? J'ai débloqué l'autre, ouais, c'est bon. Donc ça l'oubliez pas. Hein. J'ai remarqué, je vais peut-être bien de le montrer. Augmente les dégâts infligés en attaquant un ennemi par derrière avec une épée. Donc ça c'est important. Hein. L'épée de salut débloquée là quand même pour frapper un peu plus fort par derrière. Hein, débloquer ce qu'il y a à débloquer, hein, la dégaine rapide sur les trois phases. Enfin tout ce qu'il faut hein, qui peut vous apporter du dégât pour le katana et compagnie. Alors, ce qu'on va retenir ici après, c'est le maître de la mêlée. Si vous le tapez un peu plus fort. Pourquoi pas, hein, vous pouvez mettre des points ici. Si vous n'avez rien d'autre à débloquer, bah, c'est vous qui voyez. Donc tout ça, je vais pas réexpliquer parce que de toute façon, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses. Ça prendrait beaucoup de temps pour les vidéos de build. Ce qui serait pas super pratique pour moi. Donc je vous invite à bien regarder en détail tout ce qui peut vous apporter des choses. Après, s'il faut, à la limite, je peux en faire des vidéos séparées hein, pour regarder un peu tout ça là-dedans. On peut toujours en parler, il n'y a pas de souci, mais je ferai pas ça dans la foulée maintenant. On verra. Allez, pour le coup, je refais une fois le boss et puis on terminera là-dessus. Surtout que là, j'ai plein de messages depuis tout à l'heure, donc il y a des joueurs qui sont en attente. Faudra que je réponde un petit peu quand même. Donc déjà la paralysie. On les prépare tranquillou. On prépare son arme. Hop. Voilà, on active le premier bonus. Posture haute, le deuxième avec Tengen. On change d'esprit gardien. L'arme. On l'empoisonne. On s'approche pour le forcer à attaquer. Comme ça on peut lui mettre le bonus d'affaiblissement tranquillou. Et on passe dans le dos. Et je me suis raté, on est à 37 006. Oups. Bon, bah ça arrive, hein, je me suis loupé. C'est pas grave. Alors, il y a un bonus que j'ai dû rater, faut que je réessaie pour voir. Ça me paraît bizarre. J'ai pas eu l'impression d'avoir raté quelque chose, mais je vais la réessayer. Il y a un truc que j'ai dû louper. Alors c'est sûr, au début ça va paraître un peu compliqué, mais bon, après dans le feu de l'action, une fois que vous aurez l'habitude, vous devrez pouvoir caler plus facilement un feu de surface, avec le poison juste avant, vous attirer l'ennemi dessus, ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé non plus de changer d'esprit gardien comme moi je fais là, ce qui peut vous perturber évidemment, comme ça, c'est sûr ça aidera pas. Mais bon, question d'habitude après, ça viendra tout seul quoi. Voilà, 39 977. On n'est pas loin des 40 000. Hein. Ça fait chier, hein, franchement. Ça fait chier. Donc là, comme je disais, hein, vous pourrez dépasser les 40 000.
c'est pas beau ça. Vous pourrez dépasser les 40 000, mais il faudra monter le cœur. Vous le mettez à 99, les 40 000, vous les dépassez. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Allez, on stack de là. Et ben, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Normalement, j'ai rien oublié. J'espère que non. Sinon, je serais obligé de la refaire. Ça serait con. Mais quant à moi, ben écoutez, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Et là, vous avez enfin un build sur des gains rapides qui peut déboîter. Allez, ciao tout le monde.